bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Vivre en Sécurité, la chaîne où on parle des objets et des équipements qui permettent de mieux se sécuriser et se sentir en sécurité. En tout cas, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une caméra de surveillance extérieure disponible sur Amazon. C'est la caméra Yidome Guard qui, comme nous le verrons, est une excellente option pour toujours avoir un œil sur son domicile. Mais avant toute chose, vous pouvez mettre un j'aime à cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Et ça nous aide également à continuer à acheter de nouvelles caméras. Voilà, alors d'abord, je vais vous présenter ce qu'on trouve dans le pack. On va ensuite voir ce qu'elle vaut en termes de performance et de caractéristiques techniques. Et je vous dirai également ce que j'en pense à titre personnel. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous montrerai un rush en utilisation réelle, ainsi que la présentation de l'application. Et si jamais vous êtes intéressé par cette caméra, je vous laisse un lien en description pour la trouver sur Amazon. N'hésitez pas à le consulter dans la description de cette vidéo. Donc on se retrouve là avec le pack de la caméra donc Dome Guard. Caméra où vous voyez les principales caractéristiques sur le pack, notamment la détection des humains, la détection du son, le tracking intelligent. Vous avez également la carte SD et la possibilité de visionner deux fois plus vite les enregistrements. Vous avez également d'autres caractéristiques, notamment le 2 mégapixels, la vision 360, la vision est intelligente de vision nocturne hein, jusqu'à 10 mètres, ça c'est intéressant, l'audio bidirectionnel et le stockage en option. Voilà, alors déjà un sticker de la marque, vous avez les documents de conformité et également le petit guide de mise en installation de la marque. Et voilà la caméra. Design assez particulier, hein. Elle est fine en haut et beaucoup plus imposante en bas à sa base. Cette caméra, hein, vous le voyez, rotative horizontalement, verticalement. Et ici, vous retrouvez la coche pour mettre votre carte SD, le bouton Restart. Vous avez l'haut-parleur ici qui constitue l'audio bidirectionnel. Et également l'accroche à son dos au mur, mais également vous pourrez la poser avec les protections en silicone ici. Voilà, et vous pourrez la poser directement sur le sol. Et point important, nous avons le port Ethernet. C'est très rare sur ces modèles et c'est intéressant pour ceux qui ne souhaiteraient pas forcément mettre la Wi-Fi ou minimiser les pertes de connexion. Et vous avez également ici le branchement USB. On va maintenant voir ce qu'on a en termes d'accessoires. Qu'est-ce que nous fournit la marque en termes d'accessoires? Voilà, donc on a l'adaptateur USB, voilà, pour brancher sur la caméra. Nous avons également l'adaptateur secteur, plutôt rare hein, sur les caméras, ça je vous le dis, mais c'est toujours bien de l'avoir. Voilà, il est petit celui-là, mais ça fait le travail. Voilà, adaptateur secteur classique, hein, c'est du 1 A. On a les petites vis et chevilles, voilà, pour fixer au mur la caméra. Et on a également le support mural, voilà, pour pouvoir fixer la caméra directement dedans. Voilà pour le pack de la caméra Yidome Guard. Alors il faut savoir qu'à l'heure où je vous tourne la vidéo, cette caméra coûte une 40aine d'euros sur Amazon. Alors voyons ce qu'on a sur le papier. C'est une caméra qui fonctionne en Wi-Fi et qui vous permettra bien sûr de voir ce qu'il se passe chez vous à tout moment depuis votre téléphone. C'est une caméra qui se pose sur un support comme une table d'entrée par exemple ou une étagère. C'est une caméra panoramique rotative à 355 degrés horizontalement et 90 degrés verticalement qui permet donc d'avoir un champ de vision très large et d'avoir presque aucun angle mort. La caméra prend en charge le suivi horizontal et vertical automatique. Elle va donc suivre des choses ou personnes en mouvement. Et lorsque des mouvements sont détectés, la caméra enregistre en continu et vous enverra dans le même temps des alertes. Alors la résolution c'est du 1080p grâce à un objectif de 2 mégapixels. Elle est bien sûr capable de filmer de nuit grâce à la vision nocturne jusqu'à 10 mètres qui est de très bonne qualité sur ce modèle. Et elle dispose également d'un zoom numérique de 4 fois. Son microphone et son haut-parleur intégré permettent de parler tout en entendant l'interlocuteur. Et cette caméra enregistre uniquement lorsqu'il y a du mouvement et elle vous envoie une notification sur votre téléphone en instantané. Le stockage est possible sur le cloud ou sur une carte micro SD jusqu'à 128Go mais non inclus sur ce modèle. Et pour finir, vous pouvez la brancher à un câble Ethernet, ce qui est un réel plus et ce qui permet d'avoir une stabilité et une connexion encore plus fiable. Et ça c'est très agréable sur une caméra de surveillance et bien sûr c'est en complément de son Wi-Fi. Alors pour l'intérieur c'est vraiment intéressant, sa rotation permet de couvrir des grandes surfaces et son mode de vision nocturne est clairement un atout car on sait qu'elle sera clairement opérationnelle de nuit également. Regardons maintenant des images réelles issues de l'application. Voilà, donc je me retrouve directement sur l'application où j'ai au préalablement installé mon application en cliquant sur le bouton plus en haut à droite. Donc maintenant je peux me rendre directement sur la caméra pour visualiser les images. J'ai plusieurs boutons en bas, notamment je peux revisionner déjà le direct. Je peux cliquer sur le petit bouton aujourd'hui pour revisionner les historiques de la caméra, les jours précédents, etc. J'ai le mode de contrôle qui me permettra de monter ma caméra, de la descendre, d'aller à gauche ou à droite. J'ai également le timelapse pour définir la longueur des enregistrements et la durée de la vidéo. Et également en bas à droite, accès aux paramètres, aux différents paramètres de la caméra. Je peux agrandir l'écran pour visionner en temps réel l'enregistrement de la YE. Voilà, comme vous le voyez, et également le niveau de détail.
Voilà, sachant que forcément, le niveau de détail du direct est moins défini graphiquement que le niveau des enregistrements. Voilà, pour conclure, je peux dire que cette caméra est vraiment de très bonne facture. Son design est plutôt ergonomique, très intéressant, et capable de dissuader quiconque qui voudrait pénétrer dans votre domicile. Les fonctionnalités sont complètes, vous disposez d'un écosystème très agréable, avec des fonctions et une prise en main rapide. L'application est intuitive et on a la possibilité de brancher un câble Ethernet. C'est un réel plus et un complément intéressant. Voilà, c'est vraiment un bon choix pour ceux qui veulent garder un œil sur leur domicile. Et si vous avez des problèmes, des inquiétudes et que vous faites du souci, je peux vous dire qu'opter pour une caméra Wi-Fi va vraiment vous aider et vous soulager. Cette caméra est très fonctionnelle pour la sécurité et elle en impose vraiment avec son gabarit. Elle fera clairement le travail de jour comme de nuit pour la sécurité d'une propriété. Voilà, et je vous rappelle que si cette caméra vous plaît, je vous ai laissé le lien Amazon en description de cette vidéo. N'hésitez pas à le consulter dans notre description. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner et à partager cette vidéo. Ça nous aide beaucoup pour le développement de cette chaîne et pour continuer à pouvoir acheter des caméras pour vous les présenter. Voilà, et pour ma part, je vous souhaite une excellente journée ou une bonne soirée et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut à tous, bye!